Journée citoyenne. C'est des Savignens qui vont se mobiliser pour, sur différents chantiers, bénévolement. Le CMJ, très impliqué dans toutes les actions citoyennes. Nettoyer la ville. C'était votre idée, ça? Nettoyer la ville? Super. Eh ben, et papa, il reste? Alors, on va travailler au parc de l'Agneau-Lucelle. On va rénover les bancs, nettoyer le parc du jeu de boules. On va nettoyer les barbecues et puis ramasser les déchets. Voilà. Bien rempli. Voilà. Lucie attend les référents des chantiers pour leur donner leur mission. C'est un four pour faire cuire les pizzas. Vas-y, montre-moi un peu. En fait, c'est là on ouvre, là on met les pizzas à l'intérieur. On attend bah, quelques temps. Et comment ça se fait que tu sais tout ça, toi? Non, parce que c'est mon papa qui m'a expliqué. C'est ton papa qui l'a fait, ce truc-là? Comment ça, il l'a fait? Il l'a fabriqué avec ses mains? Ah bah oui, j'ai vu. Mais je vois pas la tête de jeu. Ça fait combien de temps que ça tourne? Oh, alors, depuis mardi. Combien de jours? 3 jours. Je l'ai monté à 450 hier soir. Alors, c'est vous qui avez fait le café? Non, c'est Mariette. Moi, la cuisine. Eh bien, la pizza. La pizza. Ah, vous allez la cuire dans quoi, la pizza? Bah, au four, maintenant, au four à pain, c'est ça? Oui, pourquoi je me demande? Normalement, du temps. Vente de livres, c'était Pauline, mais elle est déjà sur place à la médiathèque. Donc on va dire que Romain qui est en train de filmer, non, plutôt toutes les deux, vous allez vous mettre un petit peu par là. Ceux qui étaient sur chantier, le groupe cabine. Il y a déjà des gens qui sont là-bas peut-être? Non, c'est que nous. D'accord. On va leur voiture tout le matériel nécessaire. Pas, on a tout ce qu'il faut. Ah mais dis donc, c'est une brigade. Bonjour. Vous vous sentez un peu seul toutes les deux là? Non, on a Romain. On va le percher. Donc sur le de la c'est lui qui est grand, qui va pouvoir faire des choses. Les nichoirs. Donc c'est Philippe Petitot, où est-il? Là. Donc qui était inscrit sur le groupe Nichoir et Hôtel à Insectes? Vous en avez perdu deux. Allez-y, madame. C'est aussi à l'intérieur. Oui, toi, t'es un style, tu t'es bien écrit. Moi, je suis un lève la tête, Oui, on va la dame. Je prépare la sauce vinaigrette. Pour la salade. Il se moque de moi. Comment? Ouais. Salade des oiseaux. Ils sont là, hein. Ils sont... il y a déjà la paille, il y a les œufs, il y a tout. Hein. Bonjour. Ramassage des papiers pour l'embellissement du parc. Okay. On ramasse tout ce qui traîne. Il y a beaucoup? Il y a à faire quand même par endroit. Autour des bancs, il y a pas mal de boulot. Mais ça va. Tiens, regarde. C'est quoi? Une cerise.
Et je sais qu'ils mangent beaucoup de Kinder, du coup, les enfants. Ce ne sont pas des enfants. Oui, oui, oui. Bon, je préfère dire des enfants, histoire de les... de leur donner une bonne raison, mais... On leur montrera les images. Ouais. Bah, si seulement ça pouvait... leur faire un petit déclic. Ils boivent beaucoup de canettes aussi, hein. Qui était morte. C'est curieux de les voir sorties comme ça. Elle était pas en putréfaction, donc ça devait être assez récent. Donc les gamines n'avaient jamais vu ça. Elles sont. T'as pas donné de sac pour tes poubelles Non, ben j'ai. Tu vas donner à la dame. J'ai donné ma contribution. À la vente les livres sortis de nos collections de l'art déco, donc faire participer les citoyens à cette opération de désherbage de la bibliothèque. Voilà. Ok, et ça marche? Ça marche très bien. Très bien, il y a plus de place, on n'a plus de carton et il est 10h. Donc, Alors, comment ça marche là? Il y a du monde? Les stickers, c'est fait pour être collé à l'intérieur ou à l'extérieur? Extérieur. Extérieur, donc. Ça va pas se décoller, ça, l'humidité. Hein non, s'ils sont bien collés. Mais là, on a déjà bien avancé, en fait. Elle n'était pas si encrassée que ça, hein, la pollution extérieure. Impeccable. Alors là, on nettoie la cabine téléphonique pour pouvoir préparer après la place pour après ensuite mettre des étagères. On va faire une boîte à livres et une boîte à données. Voilà. On prend le 30 ans. Oui. Dernière lobby et au passage du 4 septembre. S'ils en ont pas bougé, on sait pas. Bon, vous avez fait quoi là ce matin, Philippe? Et on se calme là déjà. Ah, regarde. On en a mis une là-bas. Où ça? Là, après la poutre, ah oui. Là. Vous êtes en train de faire les concombres? Oui. Il y a un petit bout comme ça. Ah bah ouais, c'est nickel. Et puis comme ça, ça va aller. Ah, c'est super. C'est vous qui les avez fait, les gâteaux? Oui, oh non, ils sont pas bons, nos gâteaux. C'est la faute de la maman. Il vous a pas laissé faire comme vous voulez. Ah, d'accord. On a voulu en mettre moitié, mais ça, c'était vraiment trop court. Non, mais trop juste. Il y avait la pâte, il fallait mettre tout dans les moules, il fallait pas... Oui, il fallait mettre tout, ah, parce que ça faisait beaucoup tout. Et à ce moment-là, on les coupait en Au Nutella, à la crème de marron. De toute façon, vous voyez, on voit même pas s'ils sont pas bons, quoi. C'est la journée citoyenne, le principe c'est d'être tout le monde ensemble en train de faire un truc exact, sympa. Hein. Exactement. Voilà, vous aviez compris ce que c'était la journée citoyenne? On vous l'a expliqué? Pas vraiment, mais enfin, grosso modo. Quoi. Oh là là, ça sent bon. Ah oui, oh la vache. Attendez avant de mettre le ventan, on va peut-être remettre un peu de fromage. Non, mais c'est la pâte. Hein? Il reste du fromage, on met là. Ici. Oh man, slow de parfumée. Qu'est-ce que vous avez fait toute la matinée? Oh ben, on n'a pas arrêté. Rien. On n'a pas arrêté une minute. Ah, ça sent bon, hein? On a même monté le chapiteau. Allez, on a même monté le chapiteau, oui. C'est... Qui a monté le chapiteau, les dames? Nous, la cuisine. Hein. On peut feuilleter avec saucisse et puis... La pâte a été sèche, on a fait ça. Ouais.
table, moi, je, c'est super. Ah, oui. Moi, je trouve ça, c'est bien. Ouais. Non, en fait, c'est chic, c'est... Ouais. C'est pas mal. Et, alors là, les pizzas sont super. Ah oui, là. Là, c'est vrai que c'est joli. Hein. Ah, on a fait tous les mêmes, mais c'est pas moi qui les ai garnis. Le chocolat, il y a au marron, puis je sais plus à quoi. À la confiture. Ah. Vous n'avez pas passé la journée dans la cuisine quand même? On est obligé de la décrocher le soir, sinon le reste. Elle aura même trop de soleil, la compagne. Oh si, on va donner manger en plus. Si. Viens, essaie de la positionner pour voir. Non, je mettrai comme. Ouais, je mettrai. Vas-y, tu la cales comme ça, regarde. Toc. Oh, eh, bah tiens. Elle est impeccable, là. Maintenant, je redescends. Elle va se cacher, là. Et puis. C'est sûr et certain. Alors jamais pourquoi côté sud-ouest. Pourquoi? Parce que côté pluie. La pluie, elle va tomber dedans. Jamais côté pluie. En fait, on va peut-être changer de côté. Jean-Pierre a fabriqué la structure, mais en fait, finalement, la cabine, elle est peut-être pas au cordeau. Bah, il faudrait voilà. Donc il va falloir qu'on rabote. Et puis que après, les chevilles rentrent dans le trou. Bon, c'est cool, hein. Le principe, c'est on pose et on prend si on a envie. Voilà, on pose des objets, des livres, et si on a envie, on en remet. Voilà, en respectant les lieux. C'est pas exactement un troc, parce qu'il nous disait, monsieur, c'est du troc. Non. En fait, le troc, ça implique une relation parfaite, ouais. Alors que là, on peut déposer sans prendre, donc prendre sans déposer. Je peins le banc. Tu peins le banc. Tu avais déjà fait ça avant? On est en train de mettre la lasure pour on a poncé le banc, bah pour renouveler, on va dire. Je sais pas, c'est pour le jour des citoyennes surtout. Je rends service à Sainte-Savine. C'est le conseiller municipal le plus vieux de la ville. Qui montre le bon exemple. Qu'est-ce que t'en penses de cette affaire? De quoi? De cette histoire de journée citoyenne là. C'est bien. Là, on est 2, 4, 6, 8, 10, il y en a 10, 12, 14 en tout. Et vous faites quoi donc? Alors là, on a poncé ce matin, là on est en train de passer de la lasure sur les bancs déjà là de la place. Et ensuite, on va poursuivre à l'intérieur de la parc du parc de la Nouvelle-Terre pour avoir des beaux bancs parfaits. À deux, ça va mieux? À deux, ça va mieux. Oui. Alors, t'en as fait combien des bancs? En centre-ville. Bonjour. Pour manger. Et pour gratter les bancs. Toute la journée, t'as pensé des bancs, non? Non, j'ai ramassé un peu les déchets ce matin. J'en ai pris aussi ce matin, du coup. Alors, t'as rencontré des gens que tu connaissais pas? Ouais, la plupart, ben, la dame, il y a des dames du CMJ, des parents, des élèves. Monsieur du four à pizza, je le connais aussi. Avec sa femme aussi, je connais comme le maire adjoint qui m'a marié l'année dernière. Quand on est parent d'un élève du CMJ, ben, du coup, il faut être disponible aussi. C'est pas que l'enfant qui est disponible, c'est les parents aussi. Et c'est bien ou pas? Ouais, ça va. Ça leur apprend des choses, puis comme ça, ses frères, ils participent aussi. Puis... ils sont contents, ça les sort aussi. On vous a pas c'est quoi ça? C'est ce que vous avez ramassé ce matin? Oui. Je plante, tu arroses, nous le comptons. Voilà. Je vais aller tout mettre aussi. On s'est dit comment on pourrait améliorer la chose. Et alors? Et du coup, on a eu l'idée de prendre des mots-clés. Et pour que ça soit plus attractif, on a fait une marguerite. Et vous êtes content du résultat? Ah oui, très, très sympa. Alors sérieusement, les gens, ils vont pouvoir se servir dans les plates-bandes en fait. Quand c'est mûr, on peut en prendre. Oui, quand c'est mûr. Quand c'est mûr, c'est mieux. Mais le niveau de terrain,
Pour si mettre... on avait des, quelques dalles comme ça, tiens, ça serait super. Oui, ce serait bien de poser ça sur des, une dalle ou un pavé. Ou tout bah, oui. Pour éviter que ça pourrisse. Les mettre comme ça et après pour revenir le faire. En fait, aujourd'hui on pose et puis après on lâche. Oui, on peut le faire aujourd'hui et puis on continue. Interrogez les enfants. Je peux ? Oui, vous savez ce que c'est un hôtel à insectes ? Initialement, quand même. Ça vit où les insectes ? Les abeilles, ça vit où normalement ? Qu'est-ce que ça mange ? Du miel. Ça fait du miel et ça mange des fleurs. C'est un aménagement pour que toutes les petites bestioles urbaines, citadines, urbaines, viennent se nourrir, nous apporter des fleurs, évidemment, parce qu'on en a besoin. Et puis ben voilà, quoi, puis c'est sympa. Et ça, vous en avez besoin. Mettre des autour, c'est la raison. Oui. Mettre autour des, tu sais, des graines de, qu'on met dans les jachères. Ouais. Ça fait des coquelicots, ça fait des marguerites, ça fait tout dedans. Petit, hein, petit modèle, je vais couper des bouts de 25-30 cm. Bonjour madame. La Mariette, c'est la vedette. Hein. Ah bah. La Mariette, c'est la plus gentille. C'est la plus gentille. Ça, c'est vrai. Alors, je pense alors. Mon fils, il m'a dit après toi, maman et Arlette, c'est Mariette. Ça va, vous avez eu du monde ? Vous filmez là ? Vous êtes en train de filmer ? Voilà. Alors, attention là. Et je m'aperçois que je vais filmer en même temps. C'est Marcel ? Cette journée citoyenne, ça vous a plu ? C'était pas prévu, je ne savais pas ce qu'il y a. J'ai pas su à la mairie. Il y avait où aussi, les petits papiers, ils étaient où ? Un peu partout. Je sais pas. Alors ? Mais parce que je fais partie de la cuisine oui. Des Viennes, alors c'est pour ça que je l'ai su. Alors on m'avait dit on va faire la pizza. Il y a eu un manque de publicité, il y a des gens qui moi je ne sais pas, je n'ai pas su. Mais il y avait des abribus dans toute la ville. Il y avait des abribus dans toute la ville. Il y a eu des articles dans la presse. C'est la journée citoyenne. Bah non. Il n'est pas vraiment. Il est toujours pressé, Grégory. Et c'est pas bon le Nutella, hein ? Hein ? C'est pas. Mais bon, c'est un spécial celui-là. Philippe, t'as pas fini, j'en t'ai pas dit. On prend celle-là, les dalles qui ne servent pas à grand-chose, on les met là. Je voulais dire que je me suis fait mesure. Quelquefois. Il n'y a que toi qui le sais, quoi. C'est pas comme s'il y avait, c'est pas comme s'il y avait un élu en train de filmer, hein. Ah, ça, on s'en fout. Ça, le coup du pied de biche, ça a dû se passer. J'ai rien dit. Ouais, on fait comme ça. Bonjour, monsieur le maire. Salut, bonjour, je dis. Ils sont tous partis.